Coucou! On est en direct de Long Bay! Quand on vient au Vietnam, on ne peut pas s'empêcher de venir voir la 7e nouvelle merveille du monde. Dans les 7e nouvelles merveilles du monde, enfin bref, c'est à Long Bay qu'on va passer les deux prochains jours. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment, vraiment. On avait tellement lu de mauvais commentaires, plein de déchets dans l'eau. On voit pas de déchets là. J'ai vu un sac de plastique tantôt. Non, vraiment, faut venir ici. Alors regardez ça là. On vient d'arriver d'aller faire du kayak. On a une ferme au fond des perles. Après ça, on était faire une heure de kayak. Et là, on vient sur le rooftop du bateau prendre un petit apéro, tu sais, juste pour regarder le sunset. Je viens de perdre Vicky. C'est fini, regardez ça. Elle a fait vivre tout le bateau complet pour danser. Aidez-moi quelqu'un. Si vous avez une solution, écrivez-la en bas. On était 18 dans le bateau avant qu'elle commence à chanter. Il reste genre 4 personnes, puis je pense parce qu'ils ont peur de partir. Donc c'est là que la croisière termine, 2 jours sur le bateau, en fait, dans la ville d'Along, à Long Bay. Au début, j'étais sceptique parce que c'est quand même un groupe organisé. Je me sentais un peu comme une vacance, telle activité suivante, donc c'est un peu de temps libre. Mais au final, ça a été un super beau 2 jours. On a fait des activités, du kayak. Là, il en reste encore quelques-unes à faire, mais on est en direction de s'en aller vers... Il reste la cooking class. Ouais, cooking class, on va faire des petits rouleaux impériaux pour le dîner, et après ça, ben ça se termine ici, puis on s'en retourne à Hanoï. Ouais, c'est une super belle activité, puis on va laisser les informations si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, et voilà.